Bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous, ici Mutsu, bienvenue sur Immersive TV. On se retrouve pour la suite des aventures de nos Amazones préférées avec Mutsulara, Rexona, Rexona Mutsulara, Rexoni Mutsulul. On a bien avancé dans l'épisode précédent, on est un petit peu à la bourre je pense par rapport au point vers lequel on devrait en être. Principal problème, notre génération de Cosmite ici. On a le prochain tour là qui arrive. On a le vaisseau colonisateur qui va pouvoir être fait. On va l'envoyer je pense directement ici au haut bosquet. On va passer le tour directement. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la suite donc de nos aventures. Nos relations avec les Spacers se sont un petit peu entachées aussi hein, dans la vidéo précédente, puisqu'ils m'ont envoyé une quête. Bon, je leur ai dit un petit peu non, les mecs, non merci. Et ils m'ont dit aussi, je me suis installé ici en récupérant, vous savez, le petit groupe d'Amazon qui était là. Et donc, pour faire ça, clairement, j'ai dû faire des choses qui ne leur ont pas plu. Oh yes! De la cosmite, ça. Fuite de pétrole, planque de cosmite. Yes! J'aime la cosmite. Et la cosmite même. Ok, alors qu'est-ce qu'ils ont? Grosse puissance militaire ici quand même, hein. Ils ont un camion. Ok, c'est une unité de niveau 2. L'enfercopter aussi, d'accord. Après supercopter, on a enfercopter. Et on a un niveau 3 ici, carrément. Une unité de type élite. Le... fusionneur, lui à mon avis te fait fusionner avec la map quoi. Donc clairement, je pense qu'il faut pas les prendre trop à la légère non plus. Je pense. Donc, alors, notre vaisseau ici est sorti. Tac. On peut l'envoyer ici en deux tours. Parfait. Alors, ah. Premier choix un peu critique. Est-ce que la ville on la pose ici? En sachant que deux villes ne peuvent pas avoir une frontière commune. Ce qui voudrait dire que si je veux poser une autre ville, je pourrais pas le faire là. Je pourrais pas le faire là. A priori je devrais pouvoir le faire ici. Est-ce qu'on veut poser une ville ici? Je suis pas sûr complètement. Mais ce qui veut dire que je ne peux pas le faire là non plus. Je pourrais... Eh mais non, je peux pas le faire là non plus. Là. Donc je pourrais en mettre une ici. Une là. Une là. Une ici. Qui du coup serait assez centrale finalement. Ou alors une là et une là éventuellement. Tac tac. En sachant que si je fais ça... Et non, je pourrais pas en mettre une ici. Bien que cet endroit-là soit quand même hyper intéressant, le haut bosquet. Mais si je construis au haut bosquet, clairement, je ne peux pas poser d'autres villes dans le coin. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? J'en ai absolument aucune idée. En réalité. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Et que j'ai tout intérêt à en mettre une ici et une ici, en fait. Ouais. Je pense. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. On verra bien, seul le temps nous le dira. Est-ce qu'ici je peux... Yes, je peux renvoyer directement un nouveau vaisseau colonisateur. Parfait. Parfait, ici. Il finit ça et après il va nous faire des petits oiseaux pour aller explorer. Très bien. Là, on défend. Ok. Alors, destination. Ah, ça nous amène à un endroit clairement inconnu ça. Je pourrais éventuellement y aller. Ah! Salut! C'est un vrai faux plaisir de vous rencontrer, Dali Ardali. Ah, il m'aime pas, lui. Moins 225. Lui, il me déteste. Elle, à la limite, elle est à 0. L'autre, il me déteste. Je pourrais éventuellement la complimenter. Il augmentera de 100 son opinion envers vous. Hein, complimenter sur quelque chose qu'il accomplit, cela n'affecte que le message qu'il recevra. Les effets sont identiques à ceux de l'envoi. Ok. On envoie un compliment général.
Je pense que c'est important de réussir à garder des relations relativement cordiales et neutres avec le voisin pour le moment. Ah mais elle s'est installée ici déjà. 1, 2, 3. La vache, putain, elle se répand quoi. À la vitesse de l'éclair. Bon, alors ensuite. Ici, on est bon. Ça, peu nous importe. On peut passer le tour. Alors. Ok, là, il va nous demander de faire une recherche pour eux. On va le faire. Clairement, on va le faire. On va investir 3 tours de recherche. C'est pas grave. Ici, on fonde notre colonie. Alors, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire ça. Puisque clairement, c'est pas une zone qui a l'air super intéressante pour des Amazones. Mais bon. Et le haut bosquet, lui, était à contrario hyper intéressant. Mais il faut que je puisse venir construire dans les landes montagneuses très rapidement une autre ville. Après à venir faire quelque chose ici, pourquoi pas. Ah d'accord, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah regardez, il est déjà en train de le faire. C'est un vaisseau colonisateur ça, ouais. Ah il est déjà en train de le faire quoi. Tiens c'est intéressant, je vais regarder où est-ce qu'il va. Ah bah non mais c'est même pas où est-ce qu'il va, c'est il le fait ici quoi, clairement. Clairement, clairement. Donc on va avoir des petits échauffourés sur les zones frontalières. Aïe, 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 aïe. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Hein. Hop, on récupère la cosmite ici, très bien. Il y en a encore là. Ok, toi pour le moment j'ai pas besoin de savoir ce que tu fais. Est-ce que... Attends. Tac. Est-ce que je lui prendrai pas ça? J'investis 12 de cosmite, puisque là on est plutôt bien. Donc je vais faire ça. Ok. Je prends le lanceur bio. Tac. Parfait. Je ne peux pas lui mettre ce nouveau mode, ça coûte 8. J'ai pas assez. Très bien. Très bien, très bien. Par contre, il faudrait que je fasse une nouvelle unité de chasseresse. Mais elle arrivera quand même relativement tard. Donc pour le moment c'est pas intéressant je pense d'ajouter ça à la liste, ok. Je pense qu'on est ok. Je pense qu'on est ok. Il y a de la cosmite à récupérer ici éventuellement. Lui dès qu'il sera niveau 12 il va falloir qu'on annexe. Et on va voir ce que ça va donner ici au niveau des villes du coup. Donc là notre armée, bon elle est sur son territoire, c'est pas très grave. Et ça c'est quoi? Ah ouais. Le puits de cosmite ici, il va se mettre trop bien quand il va le récupérer. Ouais ouais ouais. Alors du coup est-ce qu'il a une réclamation ici? Ah on l'a tous les deux. Donc j'imagine que... Si moi je pose une base avant, ça posera pas trop de problèmes. Donc c'est quelque chose que je dois faire relativement vite, je pense. Avant que lui le fasse. Selon moi, c'est ce qu'il y aurait de plus logique à faire. Ok. Donc ça c'est bon. La colonie ici, elle est ok. On va clairement... Alors on va commencer déjà. On va commencer par quoi ? Il y a un de science dedans. Qui est généré par je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas. Vu qu'ici on va pouvoir récupérer le haut bosquet, je pense qu'on va construire plutôt quelque chose qui va nous
booster la production à fond de cale. Parce qu'on va avoir besoin de faire des unités très vite ici, je pense. Pour la guerre. C'est la guerre! Faudrait que je vois aussi quelles sont mes relations pour le moment avec elle. Est-ce qu'on est toujours à 100? Si je la contacte. Ça c'est quoi? Moi je suis à 150, c'est ça? Ah non, d'accord. On est à 125 et à 150 on passerait en neutre, je crois, si j'ai bien compris. On va négocier un pacte de non-agression. Permettre la construction sur les secteurs revendiqués. Ah. Je pourrais lui demander. Bonne affaire pour nous. Permettre la construction sur des secteurs revendiqués. Je peux exiger de pouvoir construire sur ces secteurs revendiqués. C'est pas mal ça. Et apparemment, bonne affaire pour nous. Ah oui, non. Enfin, le jeu me dit que c'est une bonne affaire pour moi. Donc si je lui propose, elle voudra jamais. Elle a accepté. D'accord. Ce qui veut dire, donc, si j'ai bien compris, on a exigé de pouvoir faire ça, qu'on pourra le faire ici. Et la diplomatie, parfois, c'est un peu bizarre sur ce jeu. Je vous le cache pas. Donc, on va passer le tour et on va être très vite fixé. Construire une base avant. Ça passe crème. Parfait. Happiness event in colony. Les revenus sont augmentés de 100% pour ce tour. Ah, bien ça. Ce qui fait qu'on peut même revendiquer. Non, on peut pas, pourquoi? Sforiel nécessite une armée. Ah oui, voilà, il faut que j'ai une unité qui soit dessus quand même. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Je pourrais envoyer lui. Sinon, j'ai lui qui sort au prochain tour. On va continuer à explorer ici. Ok, eux, c'est nos amis les mangeurs de salade. Je pense pas qu'ils soient trop énervés que je me balade sur son territoire. J'imagine que non. On va venir fonder notre ville ici. Tac. Parfait. Of course, our military grade corrosive chemicals will eat away your hand if you touch it, regardless of whether you're innocent. OK, donc nouvelle technologie militaire, très bien. On va récupérer. Là ça part un peu loin. Il y a énormément de recherches finalement ici aussi. Qui nous permettrait d'être plus efficaces dans la protection de nos unités. Donc c'est bien de faire des dégâts, mais je pense que c'est bien de pouvoir aussi les encaisser. La production ici qui a augmenté de 100%, bien. Bien, bien, bien. Donc là, les plans d'extension, c'est... ville là-bas. Et ville ici. Donc il nous faut encore deux... un vaisseau colonisateur. Je ne peux pas encore construire, malheureusement. Mais c'est pas très grave. Pourquoi il y a un 1 ici? Ça veut dire quoi ce 1? Et là il y a un 3. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Ma foi. 3. Bon, je sais pas. Probablement que vous aurez la réponse pour moi dans les commentaires. Je me demande si ça n'a pas un rapport avec ça. Bouclier.
Parce que là on a 3. Là on a 1. Bah je sais pas. Bon écoutez, c'est pas très grave. On va continuer l'armée là-bas. Ou alors on va construire... Non, on va construire des infrastructures militaires. On va en avoir besoin assez vite. Ok. Usine de maîtrise des produits chimiques. Très bien. Là, d'ici quelques tours, je ferai une autre base avant ici. Du coup, toi, pour le moment, je vais te faire passer ton tour. On verra ce que tu vas faire après. Là, je pense que... il nous faudrait... de la défense. Bien que j'ai de gros doutes sur le fait que l'IA nous attaque là. Mais en même temps, je me dis, sait-on jamais? On ne pas se faire avoir. Mais j'ai quand même de gros doutes sur le fait que l'IA vienne nous attaquer pour le moment. Dans tous les cas, on va quand même commencer à produire des défenses. Alors, peut annexer son premier secteur. Ah! Hey, mais ça c'est pareil. Si on veut faire ça, il va nous falloir une unité militaire sur ce secteur. Et je peux le faire. Je peux par exemple annexer ici 2-2-2, 2-2-2, 1-2-1. Je peux annexer ceci grâce à notre super oiseau. Parfait. C'est parfait. Tac, ça c'est fait. On peut terminer le tour. C'est quoi ça? Il nous met les... Ah, je pense que simplement... Qu'est-ce qu'ils font? Il faudrait pas qu'ils s'excitent un peu trop. Je pense que simplement en fait... Ah, parfait, c'est la quête qu'on avait commencé dans l'épisode précédent. Je pense que... tout simplement... en fait... c'est où? C'est là. De cliquer là. Ça nous met le suivi de la quête. En fait, tout simplement. À gauche. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, construire une spécialisation de secteur. Ça, je peux pas le faire, je crois. Et non. Et non, et non. Et là, j'ai mis un secteur énergétique. Et ici aussi. Les deux, je les avais mis en énergétique. Ok. Ici, je peux améliorer mon secteur, par contre, puisque c'est un secteur maritime et on a une recherche qui nous permet de le faire. Donc, paf! Ici, je peux fonder ma colonie. Eh oui, mon gars! Nous, on fait des colonies. Bien sûr qu'on fait des colonies. Ici, il faudrait que je vienne nettoyer, d'ailleurs, ça. Ça nous rajouterait de l'énergie. Bien sûr qu'on fait des colonies. Tac, ici. Ah, on a récupéré d'ailleurs. Ça, c'est génial. L'influence nécessaire. Paf. On se met bien. On se met bien, on se met bien. On a passé le bon accord, là. Alors. Donc là, il y a la croissance qui nous appelle, qui nous dit, oh les gars, à un moment donné, arrêtez de faire des quêtes pour les spacers. Ça me saoule. Et est-ce qu'elle nous a passé un coup de fil? Je ne crois pas. Production ready. A production ready, yeah. Alright. Alors. Des unités militaires plus puissantes. Il faudrait que je regarde quelles sont les prochaines unités militaires que je peux débloquer. C'est où? C'est là? C'est là ou c'est pas là? Hydromancien. Eh oui, c'est là. Sentinelle arborienne. Faut que j'envoie des recherches là-dedans. Bien sûr, je préconise. Eh oui. Alors. Annexer un secteur. Pour Fazuriel. Non. Fazuriel, est-ce qu'on voudrait pas... Ah là 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 là, c'est terrible. Fazuriel, est-ce qu'on va pas lui donner ça? Et là, ici... on va construire une ville, on lui donnera ce secteur-là et ce secteur-là. Ça me semble un petit peu plus logique quand même.
Et celle-ci, on va la spécialiser dans la production aussi. On a ici l'argent. L'argent. Un peu la nourriture. Ici. Ici, nourriture. Pour le moment. Mais vu les cases qui sont autour, ça risque de partir peut-être en production. Clairement, ici, la production, c'était pas intéressant. Ici, je pense que ça peut être ok avec ça, ça et ça. Là, pareil, production, tac, tac, tac. Et il faudrait un pôle de recherche aussi. Tiens, d'ailleurs, ça tombe bien. Deux de recherche ici, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. A voir, je ne sais pas si mon raisonnement a une logique, puisque je suis pas encore trop au point sur les mécaniques du jeu. Mais je me dis pourquoi pas. Why not? Il est possible que les bébêtes qui sont dans la mer viennent attaquer aussi mon port ici. Mon port. Tac, on va faire ça. Lui, on va continuer à le faire explorer les zones. Propriétaire, implantation, donc c'est eux. Ah non, croissance, faction, c'est qui implantation? C'est chez qui ça? Caspette. C'est quoi ça? C'est une faction neutre ou c'est une faction... Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Lui, on va pouvoir continuer à le faire bouger. On va le faire avancer vers le sud. Apparemment, je peux passer par ces frontières, mais bon. On va éviter quand même. Pas trop non plus le froisser, le bon garçon. Donc ça me permettrait de faire des unités plus puissantes. Infrastructure, ça mène à militaire avancé. Pourquoi pas, on va le faire, on prend de l'avance. Parce qu'a priori on n'a rien d'autre à faire pour le moment. Hop. On pourrait peut-être commencer à reconstruire des unités. Éventuellement. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas les modder quoi, même ça. Au moment, ça me coûte trop cher en... Ça me coûte trop cher en cosmite. Ouais. C'est un peu problématique. Alors, est-ce qu'on a une biomancienne ici, dans cette armée-là? Non, on a une archère. Donc, on va faire... Mais attends, lui, c'est à l'infini qui génère des sous en fait. D'accord, j'avais pas capté ça. Il s'arrête jamais. Donc on va faire un lancier, une biomancienne. Ça fera 4. Une chasseresse. Et limite, je mettrais bien une pigrièche. Histoire d'avoir une unité volante quand même. Terminons le tour. En sachant que de toute façon, au prochain tour, je vais annuler en fait. Ah oui, non, c'est dans 2 tours. Donc c'est bon, c'est parfait. Alors, la croissance qui m'envoie une petite quéquette. On nous dévore vivants, nos branches sont dépouillées, la sève coule de nos plaies ouvertes. Chaque entaille que ces animaux infligent est douloureuse. Nos fruits et nos nectars et notre nectar sont mis à disposition gratuitement et pourtant ce n'est pas suffisant pour certains. Ramenez-nous nos nutriments en entraînant, en enterrant pardon, les phytophages. Donc il faudrait que je tue ça. Oh là là, c'est dangereux ça disons. 720. 10 tours pour faire la caquette. Avec des bons bonus quand même. Et eux ils font quoi les spacers là? Ils m'inquiètent un peu ces mecs hein. Bon avec 10 en paix. Faveur. Faveur requise jusqu'à l'état suivant. Ah, un nouveau héros. Lizipé Mkanté. C'est le cousin de N'Golo. Je peux pas. Trop cher mon frère. On va attendre un poil.
colony established. La nouvelle colonie est ok. Dès que je peux, il faudra que je l'annexe ici. Ok. Il faudrait que je puisse annexer ça aussi. 3 colons supplémentaires. Pour le quête basse. Pourquoi je peux pas... Il faut que je sois à 5, c'est ça? Eh oui, Mutsu, c'est à 5. Très bien. Hop, on récupère la cosmite. Paf! Ni vu ni connu, je t'embrouille. Tac. Là, ici. Hop. On annexe pour Phazuriel. Parfait. Tout s'enchaîne parfaitement pour le moment. Croisons les doigts pour que ça continue. Ordre requis. L'ordre, c'est de ne pas bouger. Ici, ils construisent quoi? Ah oui. L'exploitation hydraulique. Très bien. On va construire... qu'est-ce qu'on va construire? Eux, ils sont dangereux. Je sens qu'ils sont chauds. Je sens qu'ils sont dangereux. Pourquoi? Pourquoi? 30. Ah bah j'ai récupéré de la cosmite. Donc forcément, je peux faire mon petit vaisseau colonisateur. Production. Est-ce que je peux... Yes. On va procéder comme ça plutôt. Je finis ça, je l'envoie ici. En parallèle ici, on rajoute une pigrièche à 30 PV. Je ne sais pas quel serait le plus intéressant. Unité légère, c'est clairement un éclaireur. Eux, je pense pas qu'ils aient une attaque à distance. Ça, c'est du corps à corps. Lui, il tire à distance. Mais pas les autres. Ce qui fait qu'avec une unité volante, s'il faut, il arriverait jamais à me tirer dessus. Donc ça peut être intéressant, on va le faire. Très bien. Allez, on continue l'explo. Ah ouais, ça c'est vraiment un truc qu'il nous faudrait, ça. Une faille spatiale de cosmite. On peut déclencher des guerres pour ça. Hein. Clairement. Clairement, clairement. Il y a moyen. Bon. Je vais l'explorer par là avec lui. Happiness event and colony. Ok, ici ils sont heureux, ils produisent plus, parfait. C'est un bon slogan, soyez heureux, produisez plus. Là, qu'est-ce qu'on va produire ici? Ah! La fameuse colonie. J'aurais presque tendance à faire un centre de recherche ici, mais la logique voudrait que faire une ferme soit plus intéressant. On est plus 10 en recherche. On va le faire. Celle-ci, si elle se... Comment je peux dire? Si elle s'étend moins vite, ce sera un petit peu moins embêtant. Ici, par contre, clairement. De la défense. Parce qu'il y a des villes qui se font attaquer. Ce sera celle-ci qui, à mon avis, le sera en premier. Qu'est-ce qu'il fait là? D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Portail spatial de l'horizon. Oh aïe aïe. Plus 60 en production quand il est annexé et débloque 6 espaces de citoyens producteurs. Oh lolo. Ça, ça a l'air bien ça. B de maintenance des vaisseaux spatiaux. Oh là, ça a l'air vraiment bon ça. Il y a tellement de choses, de particularités.
sur ce game. Ok, ils ont fait un pacte de non-agression, très bien. Toi, je peux toujours pas te recruter. Tant pis. Pour le moment, on attend. Pas assez d'argent. Nouvelle recherche, ok. On part sur ça pour débloquer une nouvelle unité. Jusque-là, ah! Oceans are engines of infinite mechanical energy, rhythmic sources of food and endless life, just waiting to be harnessed by someone clever. Ok, donc ça c'est intéressant, on va pouvoir tirer parti pleinement, enfin en tout cas une tirer parti de façon plus intéressante de notre secteur côtier. Très bien. Et alors là, c'est le grand questionnement. Je pense qu'il faut partir un peu sur de la doctrine aussi quand même. Chacune de vos colonies obtient plus 10 pour chaque secteur forestier sous son domaine. Plus 10 de prod. Ça, c'est une opération de doctrine. C'est quelque chose que je dois lancer. Donc, est-ce que finalement, c'est si intéressant que ça? Je ne saurais pas dire. Alors que exploitation de la montagne, par exemple. Plus un niveau... à tous les secteurs de production et d'énergie dans les montagnes. On a des montagnes autour de nous. Parc éolien à haute altitude. C'est pareil. Est-ce que ça pourrait ne pas être intéressant, ça? En fait, est-ce que ça pourrait être intéressant, plutôt, devrais-je dire. L'exploitation des plaines fertiles, ok. L'exploitation des ruines, il y a tellement de choses, tellement. Je ne sais pas si il faut que je me développe plus sur tel ou tel point, s'il faut que j'aille vraiment dans quelque chose de spécifique. Donc soit c'est la spécialisation, le keynésianisme, soit c'était l'autre truc là, le fordisme je crois. Mes cours de première et de terminale, c'est très loin. Peut-être investir dans le développement des recherches un petit peu aussi, ça peut être intéressant. Alors, il me file un projet. Je pense que je vais refuser. Enfin, c'est même pas je pense, c'est que j'ai refusé. Là, il me dit qu'il y a un secteur non exploité. Ça doit être ça, du coup, dont il parle. Ça, c'est pareil. Est-ce que... on peut pas le faire glisser, dommage. Ça, ça va venir après. Donc il va falloir patienter. Toi. On a dit qu'on explorait le sud avec toi. Très bien. Toi t'as déjà bougé, ok. Toi tu bouges pas. Tu restes là. C'est un peu dommage, je fais pas grand chose avec toi mais bon. On va dire que on se rattrapera plus tard. Toi, c'est bon. Les musiques sont vraiment cool, je trouve. Ok, après tu vas passer ici. Ah, terminé le tour. Le spa de Tsunami Psionique. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Aya a capturé District sur Marin. À cause de vos revendications sur ce secteur, vous avez obtenu un casus belli. Permettant de lui déclarer la guerre avec le soutien populaire. Et ouais, forcément, elle se développe, elle. J'ai un petit peu oublié ce côté-là, moi. En même temps, on peut pas lui en vouloir. Elle a sa ville juste ici. Mais elle avait dit qu'elle ne le ferait pas. Du coup, j'ai gagné un casus belli, c'est-à-dire que j'ai un éventuel motif pour lui déclarer une guerre, quoi. Sans que cela me porte préjudice. Donc on va pas s'endormir sur nos lauriers, je vais pas faire deux fois l'erreur. J'annexe. Je continue, j'annexe très fort. C'est quoi ça? Ah! Salut! Nouvelle civilisation. Très bien, très bien.
Plus 10 énergie, non. On sera plus 10 énergie à la colonie à laquelle elle est reliée. D'accord, j'ai pas besoin de passer dessus avec mon unité, ça changera rien. On va passer dessus quand même. Ok, nouveau voisin. Toi, je peux toujours pas te recruter. Toi. Est-ce que je viendrais pas prendre ça? Limite même ça finalement. Puisqu'elle ne le prend pas. Je pourrais le faire moi. Et récupérer du coup éventuellement la faille spatiale de Cosmite. Why not? Pourquoi pas? Ça peut être une strat. On va faire revenir notre petit oiseau en tout cas. Tac, toi tu viens là, ok. Ah, salut! Décidément. D'autres Amazones, très bien, c'est un plaisir de vous rencontrer. Et copine Amazon. Négocier. Tac, on peut déjà se dire qu'on s'agressera pas. Envoyer. Ouvrez les frontières, non. Joseph. Nous nous sommes rencontrés, je ne suis pas encore prêt à échanger l'état de notre relation. Ah, d'accord, elle est pas complètement débile non plus, quoi. Très bien. Très bien. Bah, en tout cas, bonjour, hein, ça fait plaisir. Ah, mais elle, en fait, elle est dans un endroit parfait pour une Amazon, quoi. En vrai, c'est dans un endroit comme ça qu'il aurait fallu que je puisse pop. On s'est bien fait arnaquer, moi, je vous le dis. Enfin bon, c'est pas grave. Production ready. Yeah, production ready, man. Production ready. Yeah, production ready, boy. Ok. Ok, ok. Je pense qu'on va faire ça. Dans un premier temps. Et c'est difficile, hein. C'est pas facile, c'est pas facile. De faire les bons choix. Alors tu me diras après, nous on est dans une forêt aussi. Hein. Donc je marronne, mais... on n'est pas si mal loti, quoi. Alors qu'est-ce qu'ils veulent eux? Non les gars, je peux pas, 45, je peux pas. Parce que je dois recruter Billy. Billy que je vais envoyer même d'ailleurs directement... Est-ce que je l'envoie ici? Ouais, je vais l'envoyer directement ici, Billy. Tu me diras, ici c'est pas forcément le meilleur endroit quoi. Avec toutes les montagnes qu'il y a, il va y avoir de la tension là sur cette zone là. Ok, donc toi je t'envoie là-bas. Au départ c'était lui qui était censé y aller, mais clairement c'est plus intéressant si on le fait avec toi. Et toi tu vas venir continuer d'explorer par ici. Qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose en réalité. Le secteur, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien clairement, on va l'améliorer. Qu'est-ce que c'est que ça? Des bonus au revenu d'énergie. Ah mais attends, en vrai c'est peut-être pas ça que j'aurais dû produire. Peut-être que j'aurais dû d'abord l'améliorer. Je sais pas, je comprends pas très bien encore comment ça fonctionne, mais... ne vous inquiétez pas, je vais finir par comprendre. Où est-ce que ça mène ça? Pourrait l'emprunter. Aïe aïe aïe, je suis où? Chez les Amazones, ok. Alors dans l'ancien Age of Wonder, je pense pas que ce soit le cas ici, mais peut-être. Mais je pense pas. Dans l'ancienne Age of Wonders, il y avait des mondes souterrains aussi. Donc là, on est reparti un petit peu sur quelque chose de relativement neutre, négatif avec les Spacers. Bon. C'est embêtant, mais pas trop grave pour le moment.
Je continue d'explorer par ici, du coup. On peut terminer le tour. Incoming communication. Alors, Zarai, Zarai le règle, qui me complimente publiquement, très bien. Est-ce que maintenant tu veux... Est-ce que tu veux ça? Vu que c'est grisé, je suis pas sûr, mais bon. Non, elle le veut pas. Elle ne veut pas. Les deux ici, on est vraiment pas potes, ok? Clairement, elle, il faut que je m'en fasse une amie. Donc, je peux éventuellement lui envoyer un petit compliment. C'est mignon, les compliments. Hey, salut, ouais, bien sûr. Tac, on passe à 225. Du coup, peut-être que là, on peut négocier, finalement. Et non. Très bien. Bon, le pacte de zone d'agression n'a que peu d'importance ici, mais... Ils exigent échanger tous les casus belli. Une proposition. Oublions les erreurs du passé. Un petit tribut pourrait permettre de faire un grand pas sur le chemin du pardon. Donc elle me donne 60 d'énergie et j'oublie mes casus belli. Tiens, je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est hyper, hyper intéressant en vrai. Mais je suis pas d'accord. Hug a tree long enough and it will hug you back. Ma Reg Nib, traveler, through forested ways. Ok, donc là, première unité, la sentinelle arborienne. La première unité que je peux fabriquer avec des canons laser a priori, qui soit une unité de type... Comment je pourrais appeler ça? Humanoïde. En tout cas, c'est une créature qu'on a convertie à notre cause. Et ça, ça m'a l'air d'être une version améliorée du petit oiseau. L'hydromancien, c'est des unités marines, maritimes. Ça m'intéresse peu pour le moment. Ça, c'est des mods, ok. Ça, c'est des unités de niveau 3, le bombardon. Ah oui, je vois ce que c'est. Ça, c'est la même chose. Enfin, la même chose. Unité de niveau 3, mais maritime. Et le tyrannodon qui est ici. D'accord. Il y a l'unité et le véhicule. De la même façon que ici. Il y a l'unité et le véhicule. Ok. Ok, ok. Donc là, ça pourrait être intéressant du coup d'amplifier mes dégâts que je peux faire avec des lasers par exemple. Mais pour le moment, je vais partir sur ça. Très bien. Nouvelle recherche. Exploitation forestière. Déplacement accéléré dans les forêts. Votre colonie gagne plus 1 par chaque secteur forestier au sein de votre domaine. Ok, bon, pourquoi pas. En fait, ici, il y a l'espionnage, si je comprends bien. Et ici, on va booster la capacité avec laquelle on va exploiter les ressources qui sont dans les secteurs. On dirait, mais Mutsu, c'est logique. Bien sûr. Mais... Production ready. Petit à petit... Je commence un petit peu à mieux comprendre comment ça s'articule. Au début, quand vous avez tout devant les yeux, c'est un petit peu flou. Alors, on va essayer d'aller faire la quête maintenant. Histoire d'avoir un combat dans cet épisode avant qu'il se termine. Par contre, ce sera qu'au prochain tour. Tac. Je vais me mettre à côté d'eux, je pense pas qu'ils m'attaquent. Je vais mettre une case avant même. Hop, parfait. Incoming communication. Elle, elle m'a complimenté. Bon, très bien. Je sais pas si c'est parce qu'elle a peur ou si c'est parce qu'elle essaie de me caresser dans le sens du poil pour mieux me... Hein, voilà. Vous êtes le commandant le plus abject sur cette planète. Notre dégoût à l'égard, à votre égard, est une cause suffisante pour déclarer la guerre. Ok, il fait quoi là? Il m'a déclaré la guerre? Fada, lui.
Ce syndicat. Alors, chelou, hein. Alors, le mec, je le dégoûte, quoi. Écoute. Viens à la maison, on va discuter, mon grand. Ah, c'est stylé, ces cases-là, comme ça. Waouh. Ça aussi, c'est stylé. Les, la race des assemblages, c'est la prochaine que je testerai. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, je veux pas faire une base avant ou quoi que ce soit. Les mecs, c'est loin de la maison, ça. Il a séché l'Amazon, ok. Tac, 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 ça a l'air de se répandre jusqu'ici. Je vais venir explorer, voir ce qu'il y a par là. Ici, on fait une base avant. Très bien. Ah, là, je pense que c'est exactement ce qu'il va faire ici. Ce qui serait tout à fait logique, mesdames et messieurs. Je passe. Hop. Ouais, vas-y, mets-toi dans l'eau, mais j'ai peur que tu te fasses attaquer par des poissons horribles. Alors ici, qu'est-ce qu'on produit? Est-ce qu'on a... Ah, bonjour. Ferme d'algues ou installation de recherche maritime. Les deux peuvent, je pense, être intéressants. Plus 5 pour chaque exploitation de nourriture et hydraulique dans la colonie. Plus 5 de recherche pour chaque recherche et exploitation hydraulique dans la colonie. Je crois que je n'ai ni l'un ni l'autre en fait finalement. Donc ça risque de pas vraiment booster en fait quoi que ce soit. On va rester sur notre stratégie de la bouffe. Puisque les recherches, je trouve que pour le moment, c'est ok. La vitesse à laquelle on les récupère. Donc ici, c'est pareil, du coup. Tac. Production ready. Ah, et ça, c'est bien, parce que par défaut... Par défaut, si on ne produit rien, il produit de l'énergie. Donc ça, c'est plutôt ok. Je trouve. Ça, c'est, je pense, hyper important aussi. Ça permet en fait d'améliorer les infrastructures militaires dans la colonie pour y créer une armée de milices, ils appellent ça. C'est-à-dire que si la ville est attaquée et que moi j'ai pas de troupes à l'intérieur, il y a quand même la milice qui va venir pour dire à un moment donné, les mecs, quand même, on va pas vous laisser faire quoi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important. Hop, ça c'est fait. Nouvelle recherche, transformation de la biomatière. Les chances que des unités xénopidémiques se reproduisent ou évoluent sont augmentées 30%. Ça, clairement, je pense que ça va être hyper important pour nous pour la suite. Ah, eux, ils nous envoient le faux symbiote. Un fléau terrible se propage sur nos terres. Un faux symbiote est apparu. Prêt à nous intégrer à sa corruption. Arrêtez ce fléau avant qu'il ne consomme la planète. C'est qui m'envoie ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Plateforme d'assistance tactique. Guérir l'unité biologique ou cyborg à hauteur de 7 pour chaque point d'action utilisé pendant le soin. Qu'est-ce que c'est que ça? J'accepte. On verra bien ce que ça va donner. Dans le doute, tu dis oui. Il y a tellement de choses partout. Allez, baston. Baston, baston. Et après, cet épisode touchera à son terme. Waouh, il y a plein d'explosifs ici. Il y a plein d'explosifs ici. Alors. On
On va peut-être pas trop s'approcher avec eux. Je préconise le regroupement. Hop. Nickel. Dommage, ici j'ai aucune possibilité de tirer. Je pense aussi que pour éviter... Non, non, qu'est-ce qu'elle fait? Je suis débile. Eh oui, une main, forcément. Une main, tu vas attaquer au corps à corps. Abruti boy. Ah là là, parfois. Hein. Ah, j'aurais dû tirer sur ça aussi, tiens. En fait, clairement, je prends les devants avant que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Voilà. Sérieux, quoi. Ok, ok, ok. Allez, forcément, il arrive au contact, mais bon, c'est pas très grave. Alors, on a nos opérations qui sont prêtes. On peut leur balancer une petite invoque des racines d'épaisse pour protéger l'unité. La guérissant, non. J'aurais bien balancé une petite macération biochimique. Non, une petite frappe parasitaire plutôt. Du genre ici. Ça touche les trois là? Bah voilà, parfait. Beau plan de caméra en tout cas, on appréciera. Mm-hmm. Toi, tu tabasses et cette nouvelle arme fait hyper mal. Pef! 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 Aucune ligne de mire. Super génial. Oh, c'est peut-être la petite erreur, ça tient. Aucune ligne de mire. On va clairement se faire sauter dessus. Préparez-vous mentalement. Est-ce que lui c'est une unité volante? Il n'y a pas moyen de se positionner. Il voit pas par-dessus le mur, j'ai l'impression. On va se mettre là. En mode protection. Et toi ici. En mode protection aussi, tu pourras couvrir tes potes. Pourquoi? Ah, quelle tristesse. Tu fais quoi toi? C'est distance ça ou pas? Je veux pas me faire avoir à chaque fois. Jusqu'à cette case. Ça fait pas boum boum plus que ça? Merci. Bon. Donc du coup, on a libéré le passage. Mais voilà, ça c'est sympa ça quand même. Y a pas à dire, pouvoir interagir comme ça avec l'environnement, je trouve ça bien cool. Ça donne une dimension tactique qui est, si elle est bien utilisée, je pense hyper intéressante. On prend cher. Ouais, là clairement c'est le tour où on prend tché-tché quoi. Raté. Alors eux il faudrait les bouger parce qu'ils sont sur sol brûlant. Et sol brûlant ça pique les pieds. Ok. Hop, parfait. Parfait. Dommage que tu aies tout raté. Mais en même temps j'aurais dû regarder les pourcentages de chances que j'avais de toucher plutôt que de cliquer comme un bon garçon. Mais c'est pas grave. On ne m'en veut pas. Voyons voir. Est-ce que
Je ne peux pas. Par contre, je peux éventuellement faire ça. Et bien sûr que je peux faire ça. C'est stylé, il se met debout. Sur sa bébête et ta. C'est stylé quand même. Ok, là tout le monde est mort là. Y a plus de méchants autour de moi, on est d'accord. Toi je peux pas t'avoir, toi non plus. Je t'aurais bien décalé, mais le problème c'est que c'est te mettre. Oh quoi que non, pas forcément. Ils sont pas loin de mourir, mais ils ne sont pas encore morts. Est-ce que... Ah, c'est dommage. Et ça, c'est quoi, ça? Tiens donc. Vigne sombre. Type d'unité au sol pour l'enchaîner avec une vigne sombre qui saisit son esprit. Oh, je le remplis de désespoir. Enchevêtrement sombre. Enemy eliminated. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est génial, j'ai pas lu jusqu'au bout. Attends. Affecte uniquement les cibles au sol. Temps de recharge 2. Psionique. En cas de résistance. Hein, rempli de désespoir. Blablabla. Mais du coup, pourquoi j'ai généré l'écho du désespoir? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, elle est trop bien, elle. Ah là 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 là. Aïe. Mais the fuck. Tac. Je peux pas l'avoir. Par contre, je peux tirer sur ça. Boom. Enemy destroyed. They're dead, man. Ok, nice. Our forces are victorious. Yes, aïe. On a généré une pustule. Ce qui est plutôt ok. On prend la récompense pour la quête. Nous on aime ça les récompenses. Hop, parfait. Rexona, le déodorant, on va la renvoyer dans sa base. Est-ce que je peux claim ça? Si je fais genre un truc comme ça. Votre position nous intéresse pour 30. Je prends. Nous quittons cet endroit. Parfait. Quittez-le. Annexer un secteur pour savon d'aile. Le bon d'aile du savon. Vas-y, go. Hein. C'est bon d'aile le savon. C'est savon d'aile. Wouh. Humour. Bonjour, l'humour. Tu viens de mourir dans cette VOD. Le héros forme son armée sur les propriétés des armes biochimiques et sur la manière d'exploiter leur corps. D'améliorer leur corps. D'où je dis exploiter quoi. Conférant aux unités biologiques de l'armée plus de résistance. Ah c'est pas mal. C'est pas mal. 20% de dégâts accrus. Ne peut être utilisé qu'une fois par combat. C'est ok. Booster ses PV pourrait aussi être ok. Fine gâchette. Bon je sais pas. J'ai investi beaucoup de points dans spécialiste à distance alors que là ça fait deux tours avec elle que j'ai tapé à la griffe là. Et clairement pas une arme à distance du coup. Donc bon. Le rendant plus difficile à toucher s'il se déplace pendant son tour, l'agitation, c'est pas mal ça. On pourrait toujours lui mettre du spécialiste du combat rapproché, mais bon, c'est dommage. Je pense qu'à terme, il va falloir changer. Cette arme l'a donnée à un autre héros, je pense. Le cri de guerre pourrait être tout à fait ok tiers, je trouve. 20% de dégâts pendant 3 tours, franchement. Tu claques ça au début. Ou mid-combat, 20% de dégâts, c'est énorme. C'est clairement énorme. Donc c'est tout à fait ok pour moi.
Je prends ça et on rentre à Savondel. Puissance militaire de 300. Nous c'est 531, mais ce sont des bateaux, donc c'est clairement risqué, je pense. Je vais le faire aller là. Ça, ce sera pour le prochain tour. Prochain tour aussi. Ok, on visite. Là, a priori, plus rien. Hop, on va partir visiter vers l'est. Et ici, ici, je sais pas. J'aurais pu annexer, mais il y a son unité dessus, donc il faudrait voir ce qu'elle fait au prochain tour. Je pourrais très bien venir annexer ici en attendant. Pourquoi pas, hein, ça peut se faire, vu que j'ai le droit de le faire, je l'ai négocié. Et limite même, ville ici. Je pourrais en mettre une là ou une là. Ce qui pourrait être aussi très intéressant, en fait. Ce qui porterait le nombre de villes à 2, 4, 5 et une ici, 6. Ouais, ici c'est faisable, je pense. Ça pourrait être très intéressant de faire ça en réalité. Produire. Ok. Alors, Savondel, du coup, on n'a plus du tout de crédit. Je vais voir ce que ça fait, ça, d'améliorer mon secteur, du coup. Peut-être que je pourrais construire autre chose à l'intérieur. À voir. Pardon. Ah, ici on peut annexer notre premier secteur aussi. Donc, je pense que. On avait dit quoi déjà? On avait dit Luvenzil en annexe ici. Et Jalauswil on affecte ici. Enfin on annexe ici. Ouais, je pense que c'est bien de faire comme ça. D'autant que là ça donne de la science et on avait commencé à booster la science ici de mémoire. Ok. On peut finir le tour. On peut finir le tour. Les Spacers nous envoient un petit message. Ah, elle est intéressante leur quête. Pour une petite recherche à faire. Il y a 151 à faire. On pourrait le faire en 2 tours. Non, 3 tours. Mais ça nous donne pas mal de... de ressources. Mais... on perd un petit peu... de relations avec l'autre faction ici. Qui sont neutres, a priori. Bon. Après, la croissance est très loin de chez nous. Donc, est-ce que ça nous intéresse vraiment de nous faire pote avec? Je suis pas sûr. Tandis que les Spacers sont juste là. On verra tout ça dans la prochaine VOD, messieurs, dames. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à checker la description de la vidéo pour avoir toutes les informations sur Immersive TV. Je vous dis à très vite pour la suite de ce Let's Play. Ciao tout le monde, bye bye.